Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je repasse en mode parentalité et je voulais vous expliquer pourquoi il est bénéfique de lire des livres à son enfant et dès son plus jeune âge. Moi, je lis des livres à ma fille depuis ses 6 mois et elle aime vraiment ça. En faisant de la lecture une routine, les livres sont devenus une habitude naturelle pour elle et même une habitude très agréable. En général, pour ma fille, c'est après sa douche, avant son bibi, c'est une histoire courte qu'elle va choisir elle-même. Dumbo! Dumbo! Bambi, Mowgli, Chat, Winnie, tu veux quoi? Bambi? Oui, allez, Bambi. Waouh! Contrairement aux histoires à travers les écrans, lire des livres à un bébé va stimuler son imagination, augmenter son vocabulaire et améliorer ses facultés de communication. En général, comme vous le savez déjà, il est très conseillé de beaucoup, beaucoup parler à son enfant et lire est une autre façon de communiquer et d'interagir. C'est prouvé, un enfant qui regarde beaucoup la télé s'intéressera beaucoup moins aux livres. Lire introduit également les notions d'histoire, de lettres, de nombres, de formes, de couleurs et informe le bébé de ce qui l'entoure. C'est-à-dire un arbre, un caillou, des fleuves, des chiens, des chats, etc., etc. Plus il entend des mots, plus il sera capable de s'exprimer. Les premiers mois, votre bébé s'intéressera au son, au rythme des mots plutôt qu'à l'histoire. Oui, je vous l'accorde. Je ne sais pas si vous le savez, mais la répétition est une base de l'apprentissage. Donc, lire le même livre permettra à votre bébé d'assimiler chaque page, chaque mot et chaque image. Petit à petit, vous verrez qu'il a ses préférences. Donc, n'hésitez pas à prendre des livres différents et à les tester avec votre enfant. Vous verrez assez vite ce qu'il préfère. Pour ma part, ma fille, ce sont les livres avec des animaux qui marchent très très bien. En revanche, il ne faut vraiment pas que les livres soient trop longs, car c'est connu, les enfants se détachent très vite. L'important, c'est s'adapter au bébé et savoir s'arrêter quand il n'a plus l'air très intéressé. Il comprendra que lire est vraiment un plaisir. Moi, quand je lis des histoires à ma fille, je n'hésite pas à mettre le ton, à chantonner, à faire des bruitages pour l'amuser. Résultat, elle m'imite. Dumbo la regarde et hausse ses épaules. Je sais pas. Coule la tête. Non. Ah bah oh. Mais Dumbo secoue toujours la tête. Non. Oui. Alors, ne prenez pas des livres trop fragiles, car comme vous le savez peut-être déjà, un bébé adore les objets et surtout les mettre dans la bouche. Alors moi, je vous dis, les livres de papier fin ou cartonné ne supporteront vraiment pas un passage en bouche. C'est clair. Alors, pour ma fille, son premier livre, c'était celui-ci. C'est sa cousine Nini qui lui a offert. Je me souviens que ça l'avait beaucoup attiré, surtout l'effet « chercher l'objet ». Et un peu plus tard, je suis passée à ces livres-là. C'est des histoires courtes de personnages connus, très colorées. Ma fille les aime vraiment beaucoup. Açaï. Donc voilà, c'était une petite vidéo histoire de faire un petit rappel par rapport à l'avantage de lire des livres aux enfants. Comme je l'avais dit dans une petite vidéo précédente, je suis une maman sans écran. Ma fille n'a jamais regardé la télé jusqu'à maintenant, elle a 1 an, et a toujours suivi les histoires à travers des livres. Je sais que pour certains parents, c'est très difficile d'éviter la télé ou les portables,
Mais il faut savoir, et il y a des documentaires partout, des infos partout, que malheureusement, les écrans ont un impact considérable sur le développement d'un enfant. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je le rappelle, je le répète, ne vous hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao !